All'uscita della scuola in città ci prendemmo per mano e ti dissi io ti amo. Quando un bambino... Bah quand même, au bout de 20 ans, il y a des jours où la lassitude doit vous gagner, non? Mais vous plaisantez, depuis les débuts de la langue au chat, j'ai calculé, j'ai posé 94 203 questions et j'ai rencontré 18 603 candidats. Je ne suis pas comme ces acteurs de théâtre, moi, qui disent toujours les mêmes répliques, sur la même scène, devant les mêmes partenaires tous les soirs. Ah non, pas du tout, moi. Chaque jour, c'est différent. Ah, vous comprenez, la lassitude, hein. Michel, bonjour. Dites-moi, il est 11h, dépêchez-vous, vous allez être en retard pour la sélection des candidats. Mais un instant, j'ai pas terminé mon interview avec monsieur. Ah oui, on va les attendre. Oh, allez-y, monsieur Vortez, vous inquiétez pas. Mais comment? Vous n'avez posé que deux questions. Mais c'est pas grave. À quand remonte votre dernier passage dans notre ville? Je sais pas, moi. En mars, il y a 2 ans, pourquoi? Mais je vais chercher dans les archives du journal et je recopierai l'article qu'ils avaient fait à l'époque. Merci. Bon, alors nous allons répéter les applaudissements, si vous voulez bien. Quand je lève les bras en l'air, vous applaudissez. Quand je les baisse, vous faites silence. Ok? Alors nous essayons. Attention! Oh non! Franchement, c'est ça que vous appelez applaudir. Je vous entends 10 fois plus fort! Allez! Vous avez l'antenne dans 1 minute 30. Ok, faites-vous à Paris? Bon, pas terrible, et vous? Si, c'est un peu dégueu, hein. Apprends ton mal en patience, dans 2 mois, t'es en studio, peinard. Quoi? Mais t'es pas au courant? J'ai vu la nouvelle grille, l'émission de Mortez saute, mon gars. Bon, arrête, Marès, pour son jeu, la langue au chat. Marésienne, Marésien, est-ce que tout va bien? Eh bien, nous nous trouvons aujourd'hui à Marès, dans l'arrondissement de Frignac. Où nous serons d'ailleurs la semaine prochaine. Alors, Marès, qui s'enorgueillit à juste titre d'un superbe château du XIIe siècle, Marès, cité fleurie et souriante, dont les industries de confection et d'appareils ménagers sont connues dans la France entière. Oh, il y a des jours où je me demande à quoi ça vous sert de vous crever à ce point si on est obligé de vous faire tenir avec ça. Épargne-moi tes leçons de morale, tu veux? On dirait papa. Vous savez, Michel, faut peut-être savoir s'en aller à temps. Le vrai talent, c'est de s'arrêter au sommet, avant la chute. Plutôt crever que d'arrêter. Même avec des dizaines de seringues dans le cul, je continuerai à monter sur scène, y'a que ça qui compte. Alors tes conseils, comme ça, tu sais où je me les mets. Le succès de cette émission, c'est à vous que je le dois. À ce public qui, depuis près de 20 ans... Que dis-je, 20 ans, 25 ans, me suis, m'écoute et m'encourage. Je bois donc à votre fidélité, messieurs dames. Santé. Et quand la direction m'a annoncé qu'elle voulait l'émission encore pour au moins 10 d'années, je n'en revenais pas. J'étais le premier surpris et pourtant c'était vrai. C'est extraordinaire. Oh tiens, c'est pour moi mon chauffeur qui m'attend. C'est vrai, je bavarde et pourtant il nous reste pas mal de route à faire. Merci pour tout. Merci à tous. Marésiens, Marésiens, portez-vous bien. C'est vrai, oui. Mes parents étaient diplomates, comme tu l'ignores pas. Mais ils n'avaient pas les moyens de m'offrir une babysitter, alors ils m'emmenaient tous les soirs au casino. Et comme j'étais très fort en martingale, je faisais sauter la banque tous les soirs. Donc j'ai été interdit de jeu. Mais ça m'a été complètement indifférent, puisque à ce moment-là, j'ai eu les moyens de m'offrir les services d'une babysitter. Tu ne me crois pas? Ah si, si, bien sûr je crois. C'est connu d'ailleurs. À Las Vegas, il y a une salle de jeu qui porte votre nom, en souvenir. Tu vois que tu ne me crois pas. Vous avez bien mis sur coton. Oui?
Qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est pour Monsieur Mortaise. Il y a eu un coup de fil de Paris pour... Oh, je tourne là. Voilà. Il faudrait que Monsieur Mortaise rappelle Monsieur Gauthier à la radio. Il m'a dit que c'était urgent. Il est là jusqu'à 20h. Qu'est-ce que c'était? Non, rien. C'est quelqu'un qui se trompait de chambre. Joli? Non, pas terrible. Ah bon? Dommage. Oui, vas-y. Est-ce que c'est vrai que vous avez été l'amant de Martine Carole? Qui c'est qui t'a dit ça? Bah, des copains, la radio. Tout le monde le dit, mais personne ne sait si c'est vrai. Et toi, qu'est-ce que tu crois? Je sais pas. Si on le dit, c'est que ça doit être vrai. Et vous avez connu d'autres, des actrices? Oh là là, des actrices, des chanteuses, des danseuses. On ne s'ennuyait pas après la guerre. On ne s'ennuyait pas. Donnez-moi les plaques! Le seigneur Mortaise est de retour! Bien, changez-moi ça, jeune homme. Le seigneur Mortaise n'attend pas. Moi ça, vous voyez bien qu'il n'est pas dans son état normal. Comment ça, pas dans son état normal? Mais qui es-tu, toi, tête de con, pour savoir ce qui est normal ou pas? Je suis un seigneur, moi, un prince. Et toi, tu n'es qu'une pauvre merde, Rifto. Allez, Michel. Où les jeunesse? Venez, Michel, on rentre maintenant. Le succès de cette émission, c'est à vous que je le dois. À ce public qui, depuis près de 20 ans, que dis-je 20 ans, 25 ans, me suit, m'écoute et m'encourage. Je bois à votre fidélité. Oh, je vous en prie, je vous en prie. À force de poser des questions aux candidats, vous devez savoir tout un tas de choses, non? Ah oui, 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 bien sûr, oui. Si vous permettez, j'ai préparé quelques questions de mon cru. D'ailleurs, je comptais les envoyer à l'émission. J'aimerais les tester sur vous pour avoir votre avis. Ça ne vous ennuie pas? Non, pas du tout. Non. Quelle est cette danseuse russe née à Saint-Pétersbourg en 1885, naturalisée anglaise, étoile du... Réfléchissez bien avant de répondre, Monsieur Mortaise. Vous n'avez plus le droit à l'erreur. À votre avis, qui est la femme de monsieur? Oh, c'était le piège! Madame n'est mariée avec personne, puisqu'elle est divorcée! Excusez-moi, madame, je ne voulais pas vous blesser. Ne vous excusez pas. Vous ne pouviez pas savoir que vous étiez invité au club des cons. Allons, mes amis, levons-nous et allons continuer à jouer au salon. Je vous ai observé pendant tout le dîner. Il y a quelque chose qui m'intrigue chez vous. Comment ça qui vous intrigue? J'ai l'impression que vous êtes très pudique. Je me trompe? Non, c'est vrai, les femmes m'intimident. Je ne vous crois pas. Mais si, devant vous, là, par exemple, je suis très troublé. Mais moi aussi. Et j'aime ça, pas vous? Ah, si. Votre voix. Je suis très sensible aux voix, naturellement. Et la vôtre est très, très particulière. Je l'aime beaucoup. J'étais sûre que vous étiez différent de votre image. Vous méritez autre chose que cette vie de saltimbanque ridicule. Et vous le savez très bien, en plus. Mais pourquoi dites-vous ça? Qu'est-ce que vous savez de moi? Vous ne pouvez pas comprendre. Cette émission, c'est moi qui l'ai créée. Elle est née avec moi, elle mourra avec moi. Savez-vous combien d'auditeurs m'écoutent chaque jour? Plus de 3 millions. Ouais. Ça vous épate, ça, non? Alors retournez dans votre librairie, mettre des notes à vos livres. Et ne vous apitoyez pas. Pourquoi vous êtes comme ça? Parce que je suis fatigué, mademoiselle. Je suis fatigué. Alors laissez-moi. Je suis désolée, je voulais pas vous faire de mal. Eh bien, c'est fait.